Hey, salut à tous et à toutes, c'est Mister WZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc j'ai acheté un pot à Krapovic, enfin une réplique, parce que bien évidemment j'ai pas 800 balles à mettre dans un pot d'échappement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. C'est parti. Non, je viens. Donc je suis accompagné bien évidemment d'un caméraman qui va filmer cette vidéo. Salut. Voilà. C'est celui qui avait fait la vidéo aussi ou qui a dépassé les 110 000 vues présentation de la manette custom, donc je le remercie. Espérons que cette vidéo buzz aussi. Donc du coup bon, on va pas blablater, on va ouvrir le colis et on va voir le pot. Donc je l'ai acheté 52 euros sur Amazon. Je voulais pas l'acheter sur Wish, AliExpress et tout parce que j'avais pas envie d'attendre. Donc je préfère l'avoir rapidement et puis s'il me plaît pas, et s'il va pas sur ma moto, et bah je peux l'enlever. Donc voilà comment ça se présente. Après si tu peux bouger, enfin tu fais des têtes sur les temps. Donc déjà on a ça qui ne sert à rien. Et ça. Hop. Donc là, on a le pot d'échappement. Vas-y, là on voit bien tout ou pas? Ouais, ok. Bon, je te laisse faire les cadrages, t'inquiète. Donc on va l'ouvrir. Ah, j'ai vraiment hâte, ça fait hyper longtemps que je voulais tester ça. Je le mettrai sur mon DAX, j'en ferai une vidéo test. On montrera tout à l'heure aussi dessus. Donc voilà, on a le pot d'échappement, on va l'ouvrir. Je l'ai pas ouvert encore. Ça va être la surprise. J'espère qu'ils se sont pas trompés de format. Ok, donc déjà on a le cerf. Ah ouais. Donc là on n'est pas sur du petit unboxing. Franchement c'est bien protégé. Attention, suspense. Oh putain, il est magnifique mec. Oh la vache! Ah ouais, on a vraiment de la qualité. Niveau soudure et tout. Ah ouais, c'est du très très lourd. Très 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 lourd. On va l'enlever. Faudra rajouter le tocon à Krapovic. Ouais, j'en achèterai un. Donc voilà à peu près à quoi il ressemble. Donc là, on y a la chicane à l'intérieur. On fera un test avec et sans. Ah, il peut s'arrêter, dégueulasse. Ah, ça va dans la bouche. Oh, il est vraiment hyper classe, donc là on peut aussi enlever la chicane. Alors déjà, niveau matériaux, alors je sais pas ce que c'est, je crois que c'est de l'acier ou de l'inox. Bah déjà il pèse bien son poids. Il est plus lourd que mon NHRC. Je ferai un petit comparatif pardon, aussi des deux. Niveau carbone, enfin le faux carbone, il est vraiment bien fait. Les finitions et tout, waouh. Franchement, non, j'ai rien à dire. Il y a la laine de roche à l'intérieur et tout, non franchement... Hyper classe. Et bah écoutez, on va enlever la chicane et on va le monter sur la moto. Donc nous voilà sur le petit monstre. Mais bientôt j'ai changé le carburateur qui se trouve là. Enfin bref, on va dévisser. Donc j'avais déjà un peu pré-commencé. Je vous ferai un... Ah bah attendez, au pire je vais le démarrer. Ok, donc là ça c'était le bruit du NHRC, maintenant on va faire pot libre, enfin échappement libre. Normalement. Alors du coup maintenant on va faire échappement libre. Échappement libre, donc ça fait beaucoup beaucoup trop de bruit, mais c'est destiné. Enfin, je trouve que j'ai l'impression de conduire une Harley Davidson. Entre nous, allez, du coup, on va prendre le Krapovic. Alors, je crois que oui, il va falloir enlever, oui, parce qu'il y a un truc spécial. Oui, donc voilà, on a enlevé le réducteur. On va dire, on va appeler ça comme ça. Donc, maintenant, voilà, on va mettre le pot à Krapovic. Ok, bon, le moment est arrivé, donc ça a été une vraie galère à tout fixer. Bon, le pot tient, c'est l'essentiel, voilà, on va pas chercher midi à 14h. Je sais pas si c'est stylé, mais bon, on s'en fout, on va le démarrer, attention, suspense.
fait moins de bruit, il fait juste un bruit plus rauque. N'oubliez pas. On n'oublie pas qu'il y a la chicane. On va enlever la chicane maintenant. Ouais, je suis mis déjà, ça s'est arrêté. Ok, bon. Là, c'est bon, on a enlevé la chicane, les frérots. Donc, monte le gros. Le gros. Donc là, on a un énorme trou maintenant. Et tu vas voir, le son il va changer. On est parti. D'accord, on est déjà en deux. Démarre peut-être. Ouais, vas-y, je fais un tour. Hop, là, y'a rien qui. Attends, t'as pas ton casque, c'est bon. Ouais. Ah, ça continue. Conclusion, c'est que bon, avec la chicane, le son est beaucoup plus est très beau, mais je vous conseille vivement de rouler avec la chicane parce que en fait, pour vous déjà, c'est plus agréable et pour les autres aussi, c'est beaucoup plus agréable. Mais franchement, pour 52 balles, je m'attendais vraiment pas à ça. Il est excellent, je vous le recommande. Je vous mettrai le lien dans la description. Je précise, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Et puis volleyballou. Bon bah j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et puis on se retrouve à très bientôt. C'était Mister WZK. Ciao ciao.